Paris. Un Algérien arrêté par la police en plein live TikTok. Les internautes ont assisté, dans la soirée du mercredi 16 août, à l'arrestation en plein direct d'un TikToker algérien établi en France. L'homme qui porte le pseudo Mohamed DZ a été interpellé alors qu'il était en plein live, filmant son ami qui se faisait arrêter par la police. L'arrestation du TikToker algérien serait liée à une affaire de vol et d'agression. Selon les informations circulant sur le web, le jeune homme était en train de filmer de loin l'interpellation d'un ami pour une histoire de vol avec violence. Selon les commentaires des internautes, Mohamed DZ et son ami seraient les auteurs de l'agression et du vol qui ont eu lieu dans le quartier. Les faits se sont déroulés dans le quartier Jaurès au cœur de Paris. Un passant a été agressé et dépouillé par un ou deux hommes. Selon les internautes, il s'agirait, vraisemblablement, de ce TikToker et de son ami. Ce dernier se fait rapidement identifier et arrêté par la police. Le TikToker algérien arrêté suite à l'appel anonyme d'un follower. De loin, le TikToker algérien filme les forces de l'ordre qui avaient arrêté son complice. Dans la vidéo, on l'entend échanger avec ses followers affirmant qu'il ne peut pas aller à l'aide de son ami, de peur d'être arrêté lui aussi. Mais suite à l'appel anonyme d'un spectateur du live, l'homme a pu être interpellé en direct. La scène s'est déroulée pendant la nuit, à Paris alors que le TikToker était en plein live. Plusieurs agents de police se sont lancés sur lui, et ont pu le maîtriser malgré ses tentatives de fuite. Le jeune homme a été interpellé puis embarqué pour une enquête. Cette arrestation en direct a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont salué l'action de la police, tandis que d'autres ont critiqué l'attitude du TikToker qui a voulu faire du bad buzz. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.